ça revolait de partout là. T'es ouais, en bas. Pendant que j'étais au cirque. Non, mais on n'est pas juste allé au cirque. Après, mon père m'a emmené dans un café boire un chocolat chaud. Puis il m'a raconté plein de choses sur lui que j'aurais jamais deviné. Imagine-toi donc que quand il était plus jeune. Rose, j'étais en train de te parler, ok? J'ai quelque chose d'important à te dire. Bon, dis-le d'abord, je t'écoute. Pendant que t'étais au cirque, Vallière a renvoyé Reda. Encore? Mais il l'a pas suspendu, là, il l'a renvoyé pour toujours. Bon, ben, on n'a pas le choix. Il va falloir organiser une rébellion. Une rébellion, facile de même. Ben oui, je sais comment faire. Mon père m'a expliqué comment. Quand il était plus jeune, il passait sa vie à faire des manifestations. Même une fois, il est monté sur le toit d'un autobus scolaire avec des tambours, là. Il est redescendu seulement quand la police est arrivée. Mais non, c'est à cause de l'histoire du boulanger qui a de se faire renvoyer. C'est pas le temps de faire venir la police puis de s'énerver. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on croit quelque chose, il faut se battre pour. Oui, mais c'est pas deux, trois pancartes qui vont faire peur à Vallière. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, je le sais, c'est tout. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est rester tranquille, puis... Puis se laisser marcher ses pieds sans rien faire. C'est vraiment lâche. Ben, tu sais pas de quoi tu parles, Rose. Ah, Rose. Il me semblait bien que j'avais entendu ta voix. Comment c'était le cirque? Oh, c'était super. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Mais là, il est presque 11 h, puis il y a de l'école demain. Samuel, tu devrais être au lit depuis une bonne heure et demie. Allez, hein, tout le monde au lit. En tout cas, moi je te dis que si des gros messieurs en costume de bain sont capables de courir sur un fil avec leurs gros orteils en bouche, ben nous, on est capables de faire reculer Vallière. Ça, c'est la preuve. Je le dis. J'ai pas qu'elle a été faire des niaiseries. Hmm? Comment ça? Quel genre de niaiserie? Quand j'ai parlé de l'affaire de Reda, elle s'est mise à parler qu'elle voulait faire une rébellion. Mais là, j'ai peur qu'elle aille empirer les affaires avec ses petites révoltes. Oh ça! À ta place, moi, je m'en ferai pas trop. Quand on a parlé ce matin, elle pensait juste au cirque. Il n'y avait pas moyen de la faire changer de sujet de conversation. C'est pas toi qui as parlé hier. Non, elle avait vraiment l'air déterminée à faire quelque chose. T'es pas d'accord avec ça? Je pensais que tu l'aimais beaucoup comme coach, Reda. Mais justement, il m'avait dit de pas y aller avec lui chez le boulanger. Si je l'avais écouté, ça serait pas fait renvoyer. Donc c'est fini pour moi, je suis un héros. J'ai vu ce que ça faisait, puis non merci. C'est pas moi qui vais aller monter sur les toits des autobus, certains. Comment ça, grimper sur le toit des autobus? De quoi tu parles? C'est le père à Rose. Il a raconté plein d'histoires de manifestations, puis là, elle pense que c'est la seule solution. Ah, ouais, ouais, je vois, là. Il y a sûrement moyen de régler ça de façon plus pacifique. Hein? Pourquoi vous iriez pas lui parler à M. Vallière? Hein? Vous prenez rendez-vous avec lui, puis vous lui expliquez calmement, avec des arguments raisonnables. Maman, ça fait 1000 fois que je t'en parle de Vallière. Hein, vous avez commencé à le savoir, ils nous écoutent pas, les jeunes. Ah, ils nous traitent tous comme des petites mouches à fruits. Ouais. OK, d'abord. Ben, tu sais, moi, j'allais lui parler à M. Vallière. Ben, ce serait pareil, sauf qu'il serait peut-être plus poli. Je suis quand même supposée être la mère la plus en colère contre Reda. Vu que tu t'es fait embarquer. Hein. Maman, je me suis pas fait embarquer. Je sais, Samuel, je sais. Mais si j'ai bien compris, c'est ça l'argument principal de M. Vallière, non? Oui. Il dit que Reda, il recrutait des jeunes pour faire des gangs de délinquants, mais c'est ridicule. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Si je lui explique que t'es pas plus délinquant qu'avant, pense pas que ça pourrait aider les choses? Peut-être, mais on devrait faire ça aujourd'hui avant qu'il choisisse un autre coach. Ben moi, il me reste encore un ménage à faire aujourd'hui. Il faut que je sois chez les Lambert vers 5 h 15. Okay, il va tout de suite d'abord. Ben... Allez, go, go, go. Ah ouais, hey, salut, Dali. Salut. Petite journée, hein? Comment ça? Ben, avec le verglas. Oui, c'est vrai que les trottoirs sont glissants. Puis avec toute l'histoire de Reda aussi.
Oui, c'est sûr. Puis, j'ai entendu dire que t'avais cassé avec Mickaël. Comment ça se fait que t'es au courant de ça, toi? C'est Béa qui me l'a dit. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Mais je te jure que je suis le seul à qui elle l'a dit. Personne d'autre le sait. J'aimerais ça que ça reste de même, OK? Bon, Samuel m'a dit pour Reda. Ça fait que je suis allée chercher du carton pour faire les pancartes. On va organiser une grosse manifestation ici dans le hall, devant le bureau de Valière. Je pense pas que ça soit une bonne idée, Rose. Non. Alors c'est quoi, là, t'es rendu comme Samuel, tu veux rien faire pour Reda? C'est pas que je veux rien faire. C'est juste que je sais que Reda aimerait pas ça. Le 3 jours, mon père a voulu organiser un genre de manifestation contre Valière, puis c'est Reda lui-même qui a dit que ça ferait juste empirer les choses. OK, mais c'est plus pareil, là. La situation a complètement changé. Reda a été renvoyé. Renvoyé. Il peut rien arriver de pire. Ouais, donc ça, c'est vrai. Bon, ben, venez-vous ça chez nous. J'ai fabriqué les pancartes, j'ai des marqueurs, de la colle chaude puis des brillants. Ben, allez, on n'a pas toute la journée.
toujours pensé que les jeunes exagéraient quand tu parlais de lui, là, mais il est encore plus... enrageant, il est tellement... Oui, je sais, je suis passé par là, hein? Oh. Ouais, c'est au moins une bonne chose dans toute cette histoire-là, c'est que j'aurais plus besoin de le supporter. Mais quand même, là, c'est injuste ce qui t'arrive. Tu t'es toujours occupé des jeunes avec tellement de dévouement, tu leur as inculqué des bonnes valeurs. Hey, imagine que le bonhomme essaye de convaincre les parents que tu te servais de ton poste pour inciter les jeunes à défier l'autorité. Ouais, fallait bien que tu trouves une raison pour justifier mon renvoi, là. J'imagine que ça faisait longtemps qu'il a cherché son excuse. Ouais, ben, inquiète-toi pas que je lui ai dit ma façon de penser. Je sais, moi, que t'es pas genre à faire les affaires par en dessous. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mon genre. En tout cas, je veux que tu saches que t'as toujours eu ma confiance, puis que tu l'auras toujours. Ton renvoi change rien là-dedans. J'espère que tu le sais. C'est gentil. Tu sais, que tu sois coach ou non, tu restes quelqu'un de formidable pour ces jeunes-là. Ils sont chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi droit que toi pour les guider. Merci, Suzanne. Mais oublie jamais ça. Damba. Damba. Merci beaucoup. J'avais pas fini ma pancarte. Rose et Théo sont allés chercher Diego pour qu'il vienne manifester avec nous autres. Dis pas faire ça, ça servira à rien. Vallière, tu pues la bière. C'est quoi, c'est n'importe quoi? C'est pour ça qu'on l'a laissé ici aussi. Rose la trouvait pas assez percutante. Toi, tu l'as laissé faire. On est dans le trouble, là. En passant, Reda a organisé une réunion au centre dans... 30 minutes. OK. C'est une super bonne nouvelle, cette réunion-là. Pas trop t'en dire, mais... il y a peut-être moyen d'arranger chaud. Comment ça? Alors, on a un plan. Ah ouais? Mais dépêche-toi, là, si tu veux qu'on arrive avant Rose. Ah, puis laisse ça ici, hein. Je te le dis, on n'en aura pas besoin. Qu'est-ce que t'as, toi, aujourd'hui? J'ai rien. Je suis juste veg. Pas juste veille, Dali, t'es littéralement en train de te transformer en limace. Si. Je savais que ça finirait mal tes histoires avec Mickaël, je le savais. Quoi tu parles? T'as pas rapport avec Mickaël. Tout le monde a le droit de manquer d'énergie de temps en temps. Arrête ça, je le sais que vous avez cassé. Toi aussi. Mais qui d'autre est au courant? Ben, juste moi. Ah oui, pis Béa, pis Théo. Pis qui d'autre? Ben... tout le monde. Comment ça, tout le monde? Ouais, ça fait deux jours, ça a fait son tour, Dali. Et on ferait mieux d'aller rejoindre Rose avant qu'elle commence à péter des fenêtres, qu'elle renverse des tables, puis qu'elle rie dans son chaudron. Oui, elle apporte un chaudron. Oh, Seigneur. Tu penses pas qu'on devrait attendre d'avoir d'autres mondes avec nous avant de manifester? Hein, ça fait dur notre affaire, là. Diego est même pas là. C'est pour ça qu'on va faire un sit-in. OK, comment ça marche, ça, ou juste un sit-in? C'est super simple. On a juste à s'asseoir puis à pas bouger. Faut être prêt à aller jusqu'au bout, par exemple. Ça prend jusqu'à des semaines, faut pas lâcher. Des semaines? Ben là, je suis pas prêt à attendre aussi longtemps. Hein. Vallière, vers de terre, on va te faire de la grosse misère. Vallière, gros derrière, on dit qu'on te laissera pas faire. Vallière, vers de terre, on va te faire de la grosse misère. Vallière, gros derrière, on dit qu'on te laissera pas faire. Vallière, faire de chair, on veut jouer, on se garde. Qu'est-ce qui arrive ici, là? C'est quoi, ce bordel-là? On fait un on faisait juste niaiser. Ouais, on voulait pas vous déranger, là, excusez pour le bruit. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus, là? Puis est-ce que je t'ai entendu crier mon nom? On a une réunion de famille, nous autres. Non, mais pas si vite, Rose. Oh. Viens dans mon bureau, il fallait que je te parle. Non, parce que là, il y a comme plein de cousins qui nous attendent à la maison, puis... ben après, elle va venir vous expliquer, OK? Promis. On va y aller, nous autres. Je sais que la situation fait pas votre affaire. Mais ça. Je comprends que vous ayez l'impression qu'il faut agir, qu'il faut pas se laisser faire. Mais je veux que vous sachiez que la seule personne dans toute histoire-là qui doit agir, c'est moi. Oui, mais c'est notre équipe. Ouais. C'est notre bataille à nous autres. Ouais, il y a raison. Oui, justement, votre terrain de bataille à vous, c'est le terrain de soccer. OK, perdez pas votre temps à vouloir insulter Vallière. Pour moi, là, vous allez juste vous le mettre à dos. Puis croyez-moi, c'est la dernière chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, dans ce temps-là? Pour l'instant,
vous faites rien. Vous laissez passer la vague, vous me laissez m'occuper du dossier. Quand je parle de soccer, c'est parce qu'on n'a plus de coach, nous. Vous allez en avoir un dans quelques semaines au début de la saison. Pas avant? Comment ça? Reda t'avait dit. Je le sais, Sam. J'avoue, là, ton idée m'a vraiment tenté. Quelle idée? J'étais sur le bas. Je me suis dit que si tout le monde pouvait être discret puis se la fermer, peut-être que Reda pourrait nous coacher en cachette. Oui. Oui, on fait ça. Ben oui, c'est une super bonne idée. Non, on peut pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que ce serait trahir la confiance de vos parents. Mais voyons donc, vraiment pas. Sam, c'est ta mère qui m'a fait réaliser ça. Là, c'est pas parce que je suis plus votre coach qu'il faut que j'arrête de vouloir vous donner le meilleur exemple possible. Bon, faire les choses par en dessous puis en cachette, j'y crois pas, moi. C'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. Mais qu'est-ce que tu demandes d'abord? De s'aplatir devant Volière puis faire tout ce qu'il veut? Ouais, j'aime plus pas le meilleur exemple. Non, je veux que vous essayiez de vous arranger avec lui. OK, il est pas évident, je le sais. Mais faut pas l'imaginer pire qu'il est non plus. Si vous vous y preniez comme il faut, il va peut-être avoir envie de vous écouter. C'est déjà fait. Comment ça? Il a convoqué Rose dans son bureau, mais on est en retard pour la réunion. Ben, faut que tu y ailles, Rose. Puis tu négocies avec lui. En gardant ton calme. Hein, c'est comme pas ta force, Rose. S'il y a quelqu'un qui doit aller parler à Valia, c'est quelqu'un qui s'énerve pas facilement. Pourquoi tu me regardes? Je pense que je connais quelqu'un qui serait capable de faire ça. Quoi? Capote pour rien, franchement. Je suis capable de garder mon calme toute seule. Vraiment pas pourquoi tu sois obligé de venir avec moi. Je le sais. Justement, celle que je voulais voir. Faut que je vous parle, les filles. Allez-y, on est là pour ça. Voulez-vous qu'on aille dans le bureau? Ça sera pas nécessaire. Je voulais juste vous aviser que à la prochaine saison, au printemps, l'EPIC va être une équipe exclusivement masculine. Ça fait que si vous voulez vraiment continuer à jouer au soccer, puis que c'était pas juste un prétexte pour courir après un petit gars, ben, vous êtes mieux de demander à vos mères de vous inscrire à Grand-Bois ou à Val-Rapide. Non, vous avez pas le droit de faire ça. Mais certain que j'ai le droit. Dans votre âge, c'est ridicule, voire même dangereux de former des équipes mixtes. Il y avait juste Reda pour trouver que ça avait encore de l'allure. Je vous rends service, dans le fond. Puis, avec un petit peu de chance, peut-être que vous allez vous retrouver avec les Amazones de Châteaubriand. On veut rien savoir d'aller jouer à Châteaubriand. Ben, vous avez tort, c'est une excellente équipe féminine. On s'en fout complètement, okay, on veut rester. Je pense qu'on a assez entendu. Bah. Tu vas voir, on va trouver une solution. Ça restera pas de même. Non, je me calmerai pas, OK? C'est pas juste, y'a pas le droit de faire ça. A décidé que les filles pourraient plus jouer dans les pics. Pourquoi? Parce que c'est un gros abruti débile mental de... OK, c'est beau, Rose, on a compris. Je dois avouer que j'étais pas loin de penser comme toi, Rose, quand je suis sortie de son bureau cet après-midi. Je sais, Samuel m'a raconté. Il y a pas de justice dans le monde. Tant que ça. Je sais même pas pourquoi le mot continue d'exister. C'est vrai que le bonhomme est enrageant, là, mais... Je pense pas que ce soit très productif de l'insulter comme ça. Ben, au moins, l'insulter, ça me défoule. Rose est revenue de son trip de contestation et a perdu tout espoir de changer le monde. Le monde est pourri. Puis toi, Samuel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? T'as pas l'air aussi découragé que Rose? Non, moi, je fais confiance à Reda. S'il dit qu'il va s'occuper du dossier, mais je le crois. Juste pas que ça soit trop long. Ben, t'es bien chanceux de pouvoir compter là-dessus. Parce que nous autres, ça a l'air, qu'est-ce qu'il y avait avec l'épique, là? Ça ne concerne plus. On est foutus. Non, dis pas ça. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Non! C'est impossible! On finit toujours par se faire avoir avec Valière. Mais c'est vrai qu'il donne cette impression-là, mais quand on y pense comme il faut, là... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça me dit rien? Hein, le gros monsieur en costume de bain qui court sur un fil? T'as pas la preuve infaillible que tout était possible dans le monde? Non. Non? Bon, on va l'acheter, c'est bien. Hey, non, redonne-moi ça! Bon, mais d'abord, avoue que le monde n'est pas sans donne. Espoir. Samuel, franchement... Hey, Dali. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a plus personne au centre. Je suis en train de partir, justement. T'avais pas l'air en forme aujourd'hui. Ouais. J'imagine que ça n'a pas aidé d'apprendre que les pics seront plus mixtes. Des fois, tout arrive en même temps. Hein?
je fais, moi, dans ces moments-là? J'essaie de me souvenir toutes les fois où j'ai cru que le ciel allait me tomber sur la tête, que c'était la fin du monde. Puis je me rappelle comment ces situations-là se sont réglées. OK. Ce que j'essaie de te dire, c'est... Tu resteras pas déprimé. Ça va passer, Dali, tout passe. Hein? Le meilleur comme le pire. Est-ce que c'est censé me remonter le moral, ça? Oui. Tout ce que t'as à faire, là, c'est de vivre ton moment difficile à fond. T'avales ce qui t'arrive. Tu prends le temps qu'il faut pour le digérer, puis après ça, ben... Après ça, je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Tu l'as vécu. Exactement. Puis tu retournes sur le terrain. Je vais essayer de me rappeler de ça. À la prochaine, Reda. À la prochaine, Dani. Prends soin de toi. Toi aussi. J'ai cuisiné toute la journée, je goûte plus rien. Tactique, en semaine 18h30 au midi.